Bonjour à tous. Comment allez-vous? Oui, je suis en retard, mais un bon streamer est toujours en retard. Je ne suis pas un bon streamer. Comment allez-vous en cette belle journée ensoleillée, un peu fraîche, mais tout de même ensoleillée. En tout cas, moi, ça va super. J'ai un peu trop dormi, on va dire. Enfin, je me suis réveillé surtout trop tard. Je me suis réveillé il y a presque une heure. C'est pas top. Je l'admets. Donc il faut one up. Et il me faudra attachments. Et j'ai droppé des frames. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, évidemment, c'est encore bugué. Hop, voilà. C'est fait. GBA. Ah! C'est vrai. On est mercredi après-midi. Donc c'est cool. Attends, faut juste que je mette aussi sur un autre truc. Ziva, que je stream ma gueule. Genre maintenant. Donc, je vais passer une demi-heure sur Kirby the Amazing Mirror pour le tout dernier achievement du bordel. Ici. 57 sur 58. Donc, le dernier achievement. Et je drop des frames. Je sais pourquoi. Tout une barre toi. Puis Discord aussi. Je vais dire Discord. À chaque fois, j'oublie. Si me cherche quelque chose. Il me cherche quelque chose. Putain. Du coup, ça devrait être bon. Hop. Donc, bah non, je retrouve toujours des vrais. Oh putain, ils s'en cassent déjà les couilles. Donc, le tout dernier achievement, il est là. Boss rush, sans cerigène. J'ai pas envie. Donc, une demi-heure. Si au bout d'une demi-heure, je l'ai pas fait, je le considère comme le jeu fini. Parce que j'ai quand même fait 187% des achievements. Ce qui est presque le double. Je suis dans un corps, c'est pour ça. Du coup, je pourrais jouer mon petit son que j'ai mis exprès pour l'occasion. Ah ouais. Alors par contre, peut-être que je fous une petite vidéo YouTube. Oh putain. Soul Games. Boss Endurance. Apparemment avec l'OVNI ce serait pété. Sauf qu'il n'y a pas l'OVNI ici. Pas ma connaissance. Ouais non. Il n'y a pas toutes les habilités du jeu. Remboursé. Voilà, ça c'est fait. Crapleur. Non, et là. Faudrait que j'évite de me faire toucher par Mega Titan en fait. Oh. Voilà, une fois qu'il est mis dedans, c'est ultra simple. Voilà. Deuxième phase. De HP ça va. Les poteaux. Mais non, je vais pas me faire toucher.
Merci. J'ai perdu 4 HP, je suis même pas la moitié. Il se récupère l'habilité s'il vous plaît. Merci. Donc, est aussi question d'Exius, comme dans le titre. La discussion d'Exius. Parce que le 23, après maintenant, on a beaucoup de choses en plus. Je vais reprendre Exius pour voir bien la liste et tout. Merde. Après. Voilà. Perdu 1000 parts. Ok, j'ai maintenant c'est cool. Cette basse. Nice. Bien joué, Green. Je les ai lus tes annonces, putain. Bon, tant pis. Moi, je saurais c'est quoi. Donc, déjà demain, on aura à nouveau la chambre des cristaux. Donjon événementiel. Ouais, donc, moi, c'est juste la chambre des cristaux basique. Un défi de boss. Donc, un nouveau boss va apparaître dans le vortex. Enfin, dans le machin là. Il y a le roi Mog et tout, vous avez battu le dragon blanc et la chimère démoniaque. Et bien, ce sera un gros dinosaure jaune, comme moi j'ai fait sur version Jap. Je suis rang 15. Là, je suis rang 33. C'est mort. On voit que c'est Dark Internet en plus. Allez, j'ai envie de le tester. Donc oui, donc le dinosaure jaune, je sais pas c'est quoi son nom, parce que je sais pas lire en japonais. Et encore mal comprendre. Je le parle un peu, on va dire. Hein, et quand vous allez battre, vous allez voir que l'arc tueur. Donc il y a Bird Killer, Plant Killer et Bug Killer. Donc tue oiseaux, tue végétaux, tue insectes. Avec une attaque de 60, donc c'est le meilleur arc du jeu pour le moment. Enfin, sur la version globale. Si vous avez un Artemios, bah, il sera un peu ravi, quoi. L'histoire va aussi continuer le 23. On va pouvoir aller donc récupérer le temple du vent. Et on va choper une nouvelle chimère. Cette chimère étant Diabolos. Diabolos ou Nosferatu, si vous avez joué à FF8 en français. Donc si c'est bien celle que je pense, elle va donner masse attaque. Bien plus que Ifrit. Donc, il nous demande la maintenance pour le bordel. Et les nouveaux alliés. Et là, on va avoir une gouttière, une très bonne et une à chier. Enfin, une à chier, mais bonne pour sa TM. Tout d'abord, nous avons Charlotte. Native 3 étoiles, pouvant aller à 5 étoiles. Job chevalier. Je connais déjà sa limite de burst parce que je l'avais sur ma première partie d'Exus Jap. C'est la même que Lena, tout simplement. Alors, au niveau max, bon, blablabla, elle aura 2992 d'HP, ce qui fait d'un très bon tank. 101 d'attaque, 88 de magie, 112 PM, 124 de défense. Je crois que c'est même plus que Cécile ou Amaranthe. Je sais même plus. Et une petite 104. Sa TM en revanche est un peu à chier. Bouclier lourd permet d'équiper les boucliers lourds. Ce qui est très con pour un chevalier de pas pouvoir équiper un bouclier lourd. Ensuite nous avons Lunmilla.
La Tige 3 étoiles pour la 5 étoiles. Job mage rouge, comment Zelm, hein, le machin que vous avez 80 exemplaires de l'unité. C'est ce qui a chier. 2582 d'HP, 99 d'attaque, 117 de magie, 149 de PM, 91 de défense et 95 de psy. Je ne connais pas sa limite burst. Sa TM est excellente. Double sort, lance deux sorts en un tour. Ce qui fait que si vous avez un Kefka ou un Exdeath, vous mettez double sort, plus des magies plus 30% des chances de toto que vous avez. Moi j'en ai qu'une. Vous imaginez les dégâts de monstre que vous allez faire avec vos magies? Pensez-y. Sinon lâchez. Et enfin, là, on attaque du lourd. On a Lightning. Natif 5 étoiles. Donc pour l'avoir, faudra vous accrocher à vos slips. Elle peut aller à 6 étoiles. Les 6 étoiles sont enfin introduites. Elle est la seule, la première et la seule à l'avoir pour l'instant. Ses items pour la foutre 6 étoiles vont être disponibles le 30 de ce mois-ci. Elle a 4000. Bon bah, job L6, moi je lis ça comme ça, j'ai pas joué FF13, j'ai pas envie. 4388 de PV. Bah stock, hein. 188 d'attaque. Donc 44 points de plus que Chizu ou Fencer. 123 de magie. 157 de PM. 126 de def et une psy de 120. Elle a des stats god tier. En plus, ses attaques et ses magies sont démentielles. Il me semble qu'elle a Kuraja en plus, donc son max. Sa limite burst, je la connais pas, mais je crois que c'est beaucoup de dommages. Je crois que c'est du multi-target. Donc voilà. Sa récompense de confiance, foulard vif éclair. Foulard qui permet à son porteur d'attaquer deux fois. En plus de mettre des plus 3. Accrochez-vous au slip. Lightning, niveau 100, donc en 6 étoiles. À l'ambidextrie équipée. Et bon, si vous allez sur Reddit, par exemple, sur le site d'Axius, qui sera dans la description pour la VOD YouTube, elle peut équiper presque toutes les armes du jeu. Donc, si vous avez l'âme de soutien et la splendeur éclatante, en plus d'Ifrit, comme moi j'ai, croyez-moi qu'elle fera extrêmement mal. Je sais que beaucoup d'entre vous ont utilisé leur lapis pour la bannière Facebook, par exemple pour une petite Chizuru. Mais Xeleko, en fait, il a contacté, je sais, non, c'est une interview qu'il avait lue. Et il a dit que Lightning arriverait very soon. Donc, il a dit ça la semaine dernière, donc j'ai dit ouais, fin septembre, non, dans 2 semaines. Ça arrive le 23, ce vendredi qui vient. Moi, je vous dis, si j'ai Lightning, je pète un câble. Je pète un câble. Je fais le jeu que vous voulez à 100%. Vous m'entendez, Exus? Vous me donnez Lightning dans les tirages? Je fais le jeu que mon chat, que mes followers YouTube, mes followers Twitch ou Twitter, même sur Skype ou Discord, ils choisissent le jeu qu'ils veulent, je le fais à 100%. Qu'il soit à chier, dur, je le fais à 100%. Ou à chier dur en même temps. Je le fais à 100% et je ne changerai pas de jeu. Sauf si durant, j'en ai marre. Sauf pour, de dérer un peu. Ah bah merde, y'a un call. Moi je vous dis Fencer, on va dire poubelle. Mais là franchement, Lightning, ça c'est le perso qui s'adresse un peu à ceux qui peuvent foutre du fric. Moi je peux un peu, on va dire.
Et sinon, je suis surtout F2P, donc free to play. Si vous êtes free to play, gardez vos lapis que vous avez, si vous en avez encore. Gardez vos tickets de semaine, moi j'en ai eu aujourd'hui. J'en ai même encore beaucoup en fait, du coup, parce que j'ai pas utilisé mon coffre ni rien. Nouveau coffre dans la Tamantite. Cette fois, j'ai pas eu de soucis à avoir. Voilà, donc j'ai 6 tickets hein, en plus en comptant celui d'aujourd'hui. Donc, j'ai un tirage x11 encore, ça fait 17 semaines. Donc 17 semaines. Voilà, voilà. Pourquoi je drop ma frame? Merci. Autant dire que j'ai hâte que le 23 soit là. Comme ça, donc, on pourra continuer l'histoire. Et de 2, Lightning. Juste Lightning. Si vous n'avez pas de heal ou de tank, essayez d'avoir Charlotte. C'est un très très bon tank. Pour le moment. C'est un très bon tank. Attendez. Je peux regarder combien a mon Cécile en brut. Actuellement il a une bonne défense et tout. C'est en cours donc ça va dropper les frames. Ok. Curseur. Donc, mon Cécile, alors je vais tout déséquiper, tout retirer, je retire le golem, évidemment. Il a 119 de défense et 2100 HP, donc Charlotte est un meilleur tank, même un excellent tank. Alors il a le brassard scintillant et j'ai mis l'anneau récup mais au final je vais remettre sa ceinture musculaire. Hop, voilà. Voilà. Et il retourne à... Pourquoi 258 équipement. Il y avait plus de 300 et quelques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, 231. 231, merde, pff, je fouille frites. 258, voilà. 258, ouais. C'est pas des masses, hein. Je vais rechecker un coup Charlotte, mais... je crois que Charlotte, elle va avoir beaucoup plus. Nos alliés... Charlotte elle a 124, c'est un de plus. Donc voilà, de bon niveau je fais tout ça. Rien à dire, très bon tank. Ok, donc la part Exus c'est fait. Moi j'ai vraiment hâte. Xeleko va faire une vidéo YouTube dessus de toute façon. Sûrement aussi en parler sur son stream. Je pense qu'elle stream ce soir. Je vais un peu planter, c'est pas grave. Wiz. Merde. Voilà, parfait. Ça marche très bien ça.
Mais non! Tiens. Écoute, on peut essayer de gruger, hein. Boum. Ah non, je crois que le boss rush s'arrête après Darkmine en fait, sa deuxième forme. Ah non, ah d'accord, tu combats qu'une fois Darkmine, d'accord. C'est que sa dernière forme du coup. Enfin, tu bats deux fois, mais bon, c'est forme 1, forme 2 quoi. Ah. Pourquoi j'ai pas Galaxy Sword? Merde. Ah. Bon, je vais une dernière fois et puis tant pis. Oui, je sais, j'ai perdu beaucoup de temps en parlant de Delius et tout. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'était prévu. Je vais pas passer non plus 800 ans. Donc je rappelle tout de suite. Boulot à ma place. Personne ne le prend ? Ben, je l'ai ta mère. Arrêtez de me pousser, par contre ça m'arrangerait, merci. Bon, viens ici. Bon, maintenant c'est jaune qui devient con.
Celui va s'envoler. Ah non. Voilà. Voilà. C'est fait. Même de Gion Smash. Mais c'est pas vrai. Voilà. Ouais. Ça s'annonce pas top, hein. Bon. Allez, hop. Non, non, je déconne. Allez. Jouons le petit son. Que j'ai prévu exprès. Quand tu veux. Chapter complete. Chapter complete. Oui, ta gueule, c'est bon, j'ai compris. Merde, j'ai mis la répétition du coup. Hop, casse-toi. Voilà, Kirby, c'est fait. Enfin, ce Kirby là surtout. Ah non, je vais me faire un autre Kirby. Merde, pourquoi j'ai quitté? Donc, pour l'autre Kirby, eh bien, c'est le premier qui est sorti sur la console. GBA, est-ce que je l'ai au moins? Oui, je l'ai. Hop. Et c'est Kirby Nightmare in Dreamland. Je n'ai pas d'achievement dessus. C'est étrange que ça puisse paraître. Ah, pourtant j'ai fait 200%. Bah, ouais, tu parles. Ah, je crois que parce que j'ai fait de mon côté en fait le jeu pour ça. Du coup, bah j'ai des achievements. Hop, voilà. Kirby Nightmare Dream Land. D'ailleurs, j'ai peut-être changé. Je vais juste faire la fin de la VOD.